Les gens, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle réaction à Crazy Bombard. Ils ont sorti une vidéo hier sur un Crazy Bombard spécial Spider-Man de Sam Raimi. Donc du coup c'est parti. Dans le présent. Arrêtez le bus, s'il vous plaît. Ça, c'est moi, Peter Parker. Je me fais souvent souiller par la ville entière. J'ai jamais compris pourquoi. Hey, regardez-le, il est intelligent, il a un avenir. Oh, le loser. C'est vrai qu'au début... De m'accompagner. Est-ce que Peter est là? Il est tellement intelligent et meilleur que toi. Peter, j'ai appris pour la mort de tes parents et j'ai de la place pour un deuxième fils. Mon oncle et ma tante s'occupent déjà de moi et... Je peux te donner le sein. Appelle-moi papa. Pourquoi vous voulez m'emmener à l'église? Oula. Nous allons nous rendre... Ça part mal déjà. Vous êtes de la science, merci de ne pas faire de photos avec des flashs et d'arrêter de redoubler. Vous êtes tous plus vieux que moi, ça devient n'importe quoi. Voici le tout nouveau microscope. C'est vrai que quand tu vois la tête du prof... quand on voit la tête du prof là, un peu avant... Hop, là. C'est vrai qu'il a l'air aussi jeune que ses élèves, donc ça fait un peu peur, hein, quand même. Tous plus vieux que moi, ça devient n'importe quoi. Voici le tout nouveau microscope électronique qui va servir à étudier nos 28 araignées mutantes. Stupéfiant, je vais enfin pouvoir retrouver mon pénis. Il y en a que 14, il en manque une. Si l'un de vous crève, c'est pas notre problème, je suis pas... Elle a dit 28, pourquoi elle dit 14, elle? C'est payé pour ces conneries. Aïe. Oh, le bad. Oh, la puberté. Putain, à 18 ans, il était temps, hein. J'ai même plus besoin de porter de lunettes. Tiens, tu as les yeux bleus. Je ne t'avais jamais vu sans lunettes. C'est vrai qu'avec les lunettes, on voyait pas mes yeux, connasse. Oula. C'est vrai que c'est souvent les mecs qui disent, ouais, les personnes qui disent, ouais, mais t'as de beaux yeux. Je les avais pas vus avec tes lunettes. On voit quand même à travers les loupes, hein. Enfin, on voit à travers les lunettes quand même, hein. Ah, ça m'a fait un peu trop d'effet qu'elle touche mon épaule. Wow. Parker, t'as un problème? T'as découvert que j'étais stripteaseur, c'est ça? Prends ça, connard! Yeah! T'as pas honte, Peter? J'ai osé me défendre lors d'une agression, je suis un monstre! D'ailleurs, c'était quoi ce truc? Allumage! Well! Ouch, ouch! Cortex des pyramides! Cortex des pyramides! Moque le 91 derrière! En avant toutes! Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Transition! Hey Peter, t'es beaucoup plus grande que ce que je croyais. T'es sérieuse, meuf? Tu m'as jamais regardée ou quoi? Ça fait 12 ans qu'on est voisins. Oh, désolé, hein. J'étais trop occupée à vouloir devenir une actrice. Moi, mon rêve, c'est de faire des photos. Ah ouais, le truc que tout le monde peut faire avec Instagram, quoi. Bon, bah, si la photo c'est nul, je vais devenir un artiste. Merde, mes dessins aussi... S'ils sont nuls, je vais devenir catcheur alors. Peter, on retrouve des mouchoirs partout dans ta chambre. Tu es tombé malade? Non, ça va, je te jure. D'ailleurs, oncle Ben, tu m'emmènes au catch? Avant ton match, n'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Me mets pas la pression comme ça. Ah, cette phrase. De toute façon, tout le monde sait que le catch, c'est pour du faux. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je prends mes distances, mon gros. Il est mignon, ton petit maillot. C'est ton mari qui te l'a offert? Homophobe et grossophobe! Enculé! Aïe! Oh ça, casse-toi! Que 100 dollars? Dans l'annonce, c'était 3000! Bah, t'aurais pas dû insulter mon mari! Ah, c'est vous qui... Ouais, ça m'a pris 3 semaines pour faire son costume et je t'emmerde! Arrêtez-le, il a volé la recette! Du pâté de crabe? Mais non, le fric! Du pâté de crabe, oh, la référence à SpongeBob! Vous voulez arrêter le voleur, mais on a tiré sur votre oncle! Oups, bavure! Dans le noir, tous les 6 hétéroblancs se ressemblent! C'est bof! Ouch! Tous les 6 hétéroblancs! Ah! Si seulement j'avais eu des pouvoirs, j'aurais pu sauver oncle... Eh, mais comme il le disait si bien, un grand décès implique des collants bien moulants. Un grand décès, putain. Transition. Je veux des photos de Spider-Man pour la une. Tenez, monsieur Jameson. Minable, minable, méga minable. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. La nouvelle menace de New York City. Mais il a rien fait de mal. Mon cul, il est responsable de tout. La crise économique, le réchauffement climatique et l'échec de mon mariage. Ça, c'est totalement ça. Bien, bravo à toute l'équipe composée de moi et moi. Vous êtes viré, Norman. Pour quel motif? Votre sourire naturel met tout le monde mal à l'aise. Ouais, celui-là, ouais. Ça suffit, Norman. Arrêtez, j'ai peur. Ah voilà, c'est fait, je me suis chié dessus, j'espère. C'est vrai qu'il a... C'est vrai qu'il a un sourire assez creepy, quand même. Attends, vengeance. Papa, c'est toi? Papa, t'es encore tout nu? Oula. Et là, il vous plaît, mon sourire? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Un horrible monstre vert. Qui ça? Le Grinch? Shrek? Le bonhomme de CTLM? C'est vrai. Suspect. Et dans le suspect, y'a sus. Je t'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'est toi le méchant, car tu es vert et surtout que tu tiens Mary Jane dans ta main droite. Qui vas-tu sauver? Les enfants innocents ou la rouquine? Choisis, héros. Pas facile.
Facile. Pas facile. Oh la boulette. Dans un univers alternatif, Spider-Man est moins indécis. Blergue. Je le jure sur la tombe de mon père que Spider-Man va payer. Bah on sait pas, peut-être que ton père l'a mérité. Mon père était tout ce qu'il me restait. Tu es un orphelin, Harry. Une référence à Harry Potter, sérieusement Oh merde, c'est vrai en plus. Oh la ref à Harry Potter. Essayez de détendre l'atmosphère. À un enterrement. Peter, je t'aime, est-ce que tu m'aimes aussi? Ouais, non, désolé, j'aime pas quand c'est trop facile. Transition. Peter, je te présente le docteur Octavius. Enchanté, monsieur, j'admire vos travaux. Ça tombe bien, j'aime pas du tout les vôtres. Vous savez même pas qui je suis. Peu importe, ce sera jamais aussi bien que mon projet. Recréer le soleil des Teletubbies. Oh merde. C'est un grand nostalgique. Mon expérience a échoué, côté de ma faute. Il y avait une Mika dans un coin, c'est donc Spider-Man le coupable. Oh le salaud, je savais que c'était pas ma faute. J'ai un gros cerveau. Si l'expérience a échoué, c'est la faute de ton ami l'araignée. Quoi, t'aimes ça? Je vais peut-être m'arrêter alors. MJ, on se remet ensemble? Peter, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tu es? On s'est rencontré dans une soirée. On a skié à Chamonix, on est allé à Dijon, on a fait du golf en Bretagne. Sacrée soirée, dis donc. Je veux plus être Spider-Man, oncle Ben. Je veux pécho de la meuf. Comme tu l'as dit toi-même, un grand charreau implique un maximum de bitches. J'ai jamais dit. Ah! Putain! Mais non! Ça, Peter! Qu'est-ce que t'en sais? T'es mort. Adieu les responsabilités! Oh merde! Oh putain, il est au pire endroit au pire moment. T'as l'air d'aller mieux, Peter. Surtout depuis que je laisse les gens mourir. Dis-moi où est Spider-Man ou je tue ta copine. Dis-moi où tu l'as emmené. C'est qu'un gosse. Il a autant d'acné que mon fils. T'en fais pas, Spider-Man. On dira rien à personne. Pas moi. Mon expérience dégénère. Ce bébé est plus puissant que j'avais croyé. Il faut que quelqu'un se sacrifie. J'ai dit, il faut que quelqu'un se sacrifie. Ah, j'en étais sûr qu'il allait le dire. Quoi? Tu, pardon? Spider-Man. Ça aurait été temps de t'en rendre compte, en fait. Je l'ai toujours su. Grosse mytho. Transition. Peter, je sais que tu as tué mon père. Salaud. Oui. Votre ami va bien. Attends, mais on est déjà dans le 3 là. Oui, frère. T'as vraiment tout oublié? Même que je suis Spider-Man et que j'ai tué ton père? Ouais, même ça, ouais. Peter, tu me promets de rester fidèle malgré ta popularité? Moi, je te le promets. Spider-Man, par contre. Spider-Man, quel enfoiré ce Spider-Man. Il est nul, infidèle. Il a trompé sa gazelle. Oh. Regarde, Spider-Cutard. Oh putain, l'arrêt sur image, merde. MJ, c'est toi? Je savais que tu me pardonnerais, petite coquine. Qu'est-ce que... C'est quoi ce costume? Je suis le premier Spider-Man noir. Avec un costume noir. Ouais, je préfère, ouais. Putain, Miles Morales. C'est insupportable. Mais je t'aime. Comme dirait oncle Ben, un grand appétit implique un grand sandwich. Mais ça veut rien dire, Peter. De toute façon, j'ai toujours préféré Andrew Garfield. Les goûts qui tombent sur ma tête. Oh. Flash info. Une actrice médiocre, Mary Jane Watson, s'est faite kidnapper par deux super-villes. Ça ne fera que la cinquième fois cette semaine. J'arrive, mon amour. Mon pire ennemi. T'es qui, en fait? T'as volé mon travail, ma copine et mon temps à l'écran. Et tu me reconnais même pas? Je peux pas me rappeler de tous les figurants de tous ces putains de films. Le figurant, il va te défigurer. Bon, ça, c'est fait. Hey, t'as pas oublié quelqu'un? Mais c'est qui, tous ces gens, en fait? On n'a pas le temps, casse-toi. Et pourquoi il est mourant, lui? J'ai un truc à t'avouer. MJ t'a trompé avec moi. Que? Je l'ai mise en cloque. Que? T'as pas vu comment elle a pris du bide, wesh? Je croyais qu'elle était constipée. Allez, sans rancune, hein, vieux frère. Albata. Les gouttes de pluie tombent sur ma tête. La roue qui m'a trompé avec mon meilleur pote. Quelle vie de chien? Non, une vie d'arachnide de merde. Et ça continue. La vie c'est dur. Bah, c'est génial, un la peu musique. Comme ma grosse toile. J'ai peur de ce qu'il allait dire après, merde. Oh, la vidéo était cool. En vrai, oh, c'est super cool. Après, bah, Spider-Man, quoi. J'ai toujours pas vu No Way Home, mais je veux dire, celui-là... ceux-là, les trois premiers, voilà. J'aime beaucoup Tobey Maguire. J'ai moins aimé ceux avec Andrew Garfield, mais...
Faudra que je la revoie pour me donner vraiment un ordre d'idée, parce que le problème, c'est qu'il y a des bons méchants dans Amazing Spider-Man, à part Electro. Voilà. Mais je veux dire, le lézard, il était cool, je me rappelle bien. J'ai hâte de voir No Way Home, donc je devrais le voir bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les Waka.